Vous avez l'impression que tout est calme ici. C'est ce que je croyais aussi en arrivant dans ce pays plein de promesses. Mon but était de gagner assez d'argent pour aider ma famille. Mais cela a viré au cauchemar. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne d'autre. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire mon histoire. Et elle fait peur, même à moi-même. Depuis que j'ai retrouvé la bague de Cathy, j'ai décidé de le faire. C'était il y a 5 ans. Je débarquais dans ce pays. Dès mon arrivée, je fis la connaissance de Cathy. Ses premiers mots furent. T'as l'air en galère. Ouais, je viens juste d'arriver. Je suis un peu perdue. Ben, si t'as pas de fric, je peux t'aider à trouver un petit boulot bien payé. Ça m'arrangerait, ouais. Je suis un peu juste niveau fric. Ben, suis-moi, je vais te présenter mon patron. Qu'est-ce qu'on va faire avec M. Ramirez? Il a trahi la famille. Je pense qu'il faut lui réserver une petite surprise. Qu'est-ce que tu en penses, Giovanni? J'ai une petite idée. Je propose qu'on lui cimente les pieds. Bon. J'ai amené une nouvelle. Elle s'appelle Elena. Et elle cherche du boulot. Tends-toi. À partir du moment où je me suis tournée, j'ai été entraînée dans ce cercle vicieux. Ils allaient devenir mes patrons et moi leur esclave. J'avais l'impression qu'ils sortaient d'une autre époque. Ou peut-être est-ce l'effet de la drogue ? Salut Giovanni. Salut. Il est possible d'avoir un tri pour ce soir? Si, ne t'inquiète pas, j'en ai deux. Ok, c'est parfait. Ok, ben je vais te les chercher. Alors, tu veux laquelle? L'asiatique. Toi, tu auras celle-là. Ouais. Allez, t'inquiète, c'est passé. Allez, on y va. Oui, mais je travaille pas ce soir. Et c'est juste pour venir boire un coup, mais c'est pas pour ce que tu penses. Ouais, mais vite fait, j'ai pas trop le temps. J'aimerais que tu puisses me faire confiance.
J'aimerais t'aider. Il a changé ma vie. Maintenant, je crois en moi, je crois en nous, je crois en l'avenir.